Je m'appelle Mathilde Scholler, je suis restauratrice de tableaux à l'Aigle et je vous invite à découvrir les coulisses de mon métier. Ça fait 7 ans que je suis installée. Avant ça, j'ai fait 5 ans d'études à Paris dans une école spécialisée où on apprend le métier dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il faut à la fois un savoir technique, manuel et à la fois connaître tout le côté, on va dire, intellectuel, donc l'histoire de l'art, l'histoire des matériaux, la physique chimie des matériaux qu'on utilise et aussi les réactions qu'ils peuvent y avoir sur les tableaux. Le métier de restaurateur de tableaux est un métier qui existait depuis plusieurs siècles, sauf qu'avant c'était plutôt des artistes qui reprenaient les tableaux d'anciens artistes et qui les remaniaient à leur manière. Et c'est dans les années 80 qu'on commence vraiment à avoir une formation, une déontologie par rapport à ce qu'on doit faire ou ne pas faire et qu'on met en place différentes interventions. Le métier de restaurateur est avant tout un métier de sauvegarde, donc sauvegarde du patrimoine, sauvegarde de l'histoire, j'ai envie de dire. Parce qu'un tableau, c'est les traces du passé. Ce sont les images qui, à l'époque, correspondaient à nos vidéos ou à nos photos. Être restaurateur, c'est avant tout préserver ce côté-là, essayer d'intervenir le moins possible sur les œuvres tout en essayant de redonner l'image que ça pouvait être à l'époque. C'est une grande aventure que d'essayer de se mettre à la place de cet artiste. Chaque tableau fait partie de ce patrimoine qui est bon de garder en mémoire et de sauvegarder le plus longtemps possible. Je suis très heureuse de vous avoir fait partager mon métier et ma passion. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à partager cette série sur vos réseaux.